qu'on s'appelle les Cats Whiskers. Ça vient de plusieurs choses. Bah, ça vient de Cat. Moi, je m'appelle Cathy. Les Cats Whiskers, les whiskers, c'est les moustaches. Mais c'est aussi une expression. Donc, les moustaches, c'est les garçons. Et puis, les Cats Whiskers, c'est une expression anglaise, idiomatique, qui veut dire quelque chose un peu comme la crème de la crème, le must. Que des compositions et on en a 13 pour l'instant. Ça se construit doucement. Et puis ça évolue. Et ça évolue. Donc en fait, pour le moment, à chaque fois qu'on compose un truc, qu'on crée un morceau, on en enlève un. Enfin presque, hein. Pas tout le temps, mais presque. Puisque comme ça évolue et qu'on commence à trouver de plus en plus ce qui nous réunit, ben, les morceaux du début ben, sont un peu moins pertinents dans le répertoire. Donc on tend plutôt à enlever les vieilleries. Ouais, c'est ça. Et à rajouter des nouveautés qui nous correspondent plus à nous. On y va ? On va y aller. En fait, on est une bande de copains. Non, déjà, il y a les trois garçons qui sont copains et qui jouaient ensemble dans un autre groupe, Régis Fontaine et les Ressources Humaines. Et puis après, nous, on est potes. Et puis, on a fait quelques petites scènes improvisées plusieurs fois. Il s'est trouvé que ça tournait pas mal sans travailler. Vite fait sur le gaz. Ça s'appelait Vite fait sur le gaz, d'ailleurs. Et puis du coup ça nous a donné l'envie d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus construit. Donc de là, j'ai commencé à écrire des textes et des mélodies et que j'ai proposé d'abord à Thierry, le bassiste, qu'on a monté un peu tous les deux et ensuite qu'on a proposé à Régis et Damien. Voilà, et depuis on construit ensemble les morceaux. Souvent j'enregistre auparavant, donc j'écris les textes, j'enregistre les mélodies et puis après je viens les proposer. Alors soit il m'est arrivé de proposer des petits enregistrements de base, soit même de les chanter un peu a cappella, d'expliquer un peu les atmosphères et après ça se met en place tous ensemble. Chacun rajoute, chacun comprend l'idée et puis l'interprète à sa façon et puis après, chacun met sa personnalité dans les morceaux. T'as quand même déjà proposé au début, je me rappelle que tu proposais souvent les morceaux à Thierry, du coup, puisque ça a commencé à deux. Ouais. Et récemment, vous avez fait un morceau plus en binôme avec Régis. Avec Régis aussi. Ouais, après, on peut faire des... Voilà, il y a des interactions qui se passent. Ouais. Ça se construit des fois à deux, à trois et des fois à quatre. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça qui est bien.